Salutations amis amis YouTube, aujourd'hui on va voir comment débloquer Majin Buu Super Vilain. Et pour débloquer Majin Buu Super Vilain, on va aller hop là dans la quête numéro 60. Il faut battre Buu enfant, garder Buu en vie et Babou en enfant réanimé. Ça c'est pour l'avoir, je crois qu'il faut avoir le rang Z hein, pour la finir. Enfin du moins moi je l'ai fini directement avec le rang Z. Donc je pense qu'il faut l'avoir avec le rang Z. Honnêtement j'en suis même pas sûr. Je pense que si ça se trouve vous finissez simplement la quête et ça vous le donne. Et hop, pour vous donner une idée, voilà, c'est Buu enfant super méchant exactement que l'on peut débloquer dans cette quête. Qui je vais prendre encore? Bah généralement dans ces cas là on va chercher notre ami, il est où? Voilà, on va faire une team de full super méchant hein, parce que tant qu'à faire. Tum 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 tum. Ça me fait penser à la fameuse rumeur, est-ce que Boubou ou Super Boo pourrait être... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Heureusement ça bouffe que dalle. J'ai oublié de changer mes attaques. Super, donc ça c'était pour un test. Ça marche généralement pas super bien on va dire. Mais bon. Oh remarquez, là ça a l'air de bien faire le taf. Hein. Ouais, Végéta, on va essayer de gagner du temps, t'as raison. Pendant que tu discutes, moi je vais en rebalancer une sauce. Hein. Parce qu'à première vue, Buu enfant, il a l'air d'aimer ça. Ah ouais, il a l'air d'aimer les boules. Hein. Bon là honnêtement, il aurait dû mourir, donc s'il est pas mort, c'est que... Monsieur... est increvable, il faut attendre la fin du dialogue. Donc on va attendre, hein, parce que typiquement on n'a rien d'autre à faire. Vous pouvez marquer des points, vous pouvez vous amuser à faire les shops pour avoir le rang. Ah. D'accord, il s'est téléporté. C'est bon, on peut le tuer maintenant? Non, toujours pas. Ok. Ouais, t'es gentil, maintenant tu me laisses finir mon combo à 21 quand même. Non, d'accord, il a pas voulu. Le Genki-Dama. Hop. Voilà, il est KO parce qu'il fallait que ce soit ça qui le tue. On est toujours full énergie. Et on va commencer à avoir les supporters qui arrivent. Allez. Hop, il se transforme. Boum maléfique. Ok. Tac, on va se mettre un peu plus près quand même. Et on continue à balancer nos petites bouboules. Alors bon, j'aurais préféré honnêtement avoir une autre attaque. Parce que je me suis rendu compte que celle-là en PvE... Bon, en PvP elle est nulle. Clairement, elle est beaucoup trop lente. Vous prenez un contre. Voilà, et en PvE, malheureusement, même les... comment ça s'appelle? Même les IA l'évitent assez facilement. En le faisant esprit ou pas d'ailleurs. C'est ça le pire. Bon, généralement, voilà quoi, elles se téléportent, elles font un truc qui font qu'ils se la mangent pas. Quoique, là, il a l'air d'être friand hein, quand même dans cette mission là. Hop, il est en train de se battre. Bah écoutez, voilà, là, il a évité. Enfin, bon, c'est la méthode de toute façon pour farmer les quêtes parallèles. Complètement pourri, c'est-à-dire que vous prenez des alliés avec vous, vous savez très bien que vos alliés vont tanker et derrière vous balancez du Genki-Dama à bloc. Comme vous voyez, c'est vraiment pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, c'est quand même la manière la plus rapide de faire quoi. Mais en tout cas pas avec cette comment ça s'appelle, pas avec cette attaque là. Parce que même si je la trouve très stylée, elle est vraiment pas terrible. Elle est bien puissante hein, mais elle est pas terrible. Bon après quand elle passe, voilà, ça lui enlève quand même pas mal de vie hein. Parce qu'il est quand même résistant le boubou enfant. Là, il va encore l'éviter, voilà. Ok, bon bah écoutez on va attendre hein. Hop. Il n'y a rien de bien compliqué à faire là dessus. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Cette attaque aussi elle est complètement bidon d'ailleurs entre parenthèses. Hop.
Ah, ça a touché, nickel. Du coup, faut que je recharge là, on pourra la faire encore une fois. Hop. Tac. Oh, je l'ai pas eu. Voilà, ils sont 4 dessus là, ils peuvent le maintenir à peu près en place pour que je l'allume ou. Voilà, merci. Et c'est fini, voilà, c'était comment avoir donc enfant boue super vilain. Ta-da-da-da-da-da. Et j'ai fait plus de 20 000 points donc le rang Z. Allez, bye bye, mes petits amis YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.